Eh bien, salut à tous et bienvenue, je suis LinkLagis pour vous servir et j'espère que vous allez bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Overwatch. Aujourd'hui, je suis en solo et oui, puisqu'il y en aura également quelques petites parties en solo parce que bon, ça a beau être un jeu multi, on peut se retrouver aussi de temps en temps en solo pour, pour discuter entre nous. Et déjà, pour commencer, j'espère que vous allez bien, puisqu'on va se lancer sur une partie rapide, et je vais vous passer le temps de chargement, puisque mon PC étant ce qu'il est, ça va être long. Arrivée imminente à King's Road. Préparez vos défenses. On est donc en partie sur King's Row. Aujourd'hui je vais sortir mon petit Reinhardt que j'aime beaucoup, avec qui j'ai un petit skin légendaire complètement badass. Et aujourd'hui, comme je disais, on va se retrouver un petit peu pour discuter, parler du jeu, etc. Ah ok, on n'a pas de heal. Ok, pas de heal, juste une Symmetra, ça risque d'être drôle. Ah oui, la gloire du combat, j'aime ça. Du coup, Overwatch, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé puisque on avait de suite fait des vidéos multi avec Silver. Mais Overwatch, donc, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier né des studios Blizzard. Les attaquants arrivent dans 30 secondes. Et ça se retrouve à la mi-chemin, à la croisée des chemins entre des... Quoi, il y a un souci? C'est l'heure du massacre. Du FPS, quelques éléments de MOBA, quelques éléments de plein de choses en fait. Il y a des éléments de tout. On retrouve plein d'éléments de plein de types de jeux différents. Et le jeu est vraiment fun. Le jeu est vraiment super sympa. On se retrouve avec quand même 21 héros, ce qui n'est pas rien pour une première sortie. En espérant qu'un de ces quatre, il y ait des nouveaux héros, ce serait classe. Donc là, pour mon personnage, pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? C'est un bon gros tank, tout simplement. Vous voyez, je déploie un bouclier pour protéger mes alliés, un bouclier qui arrête quasiment tous les tirs. Ah, par contre, les mecs, si vous restez pas dans mon bouclier, ça va pas marcher. Ah, j'ai plus ma barrière, donc voilà. En gros, vous avez donc en bas à gauche ma vie, juste à côté la barre de vie du bouclier. Il y a un chopper qui fait le tour. On va essayer de le cueillir de l'autre côté. Ah, il est peut-être passé en haut, cela dit. Qu'est-ce que je disais? Il y a des gens là. Bon, il est mort, mais je suis mort aussi. Ok, tué par un soldat 76, la mort du fun. Il faut savoir que soldat 76, on va dire que c'est le personnage qui se rapprocherait le plus des personnages de FPS classiques en fait. Hop là, on va prendre le petit soin. Alors, il y a un faucheur. Il est où? Voilà, il s'est fait descendre. Allez, il y a un sniper en face, un Genji. Les gens, faut les tuer pendant qu'ils sont occupés sur moi. Genji sous ulti. Les héros ne meurent jamais. Allez, on protège. Donc c'est ça, on a, on va dire, dans cet Overwatch, deux styles de deux parties. Oh, il était presque mort. Là, j'ai fait de gros caca, j'ai fait de la merde. J'aurais pu les tuer les deux. Bon, j'ai OS l'ange, Ange qui est une soigneuse bien sympathique, personnellement j'aime beaucoup jouer.
Et donc je disais, oui, donc deux styles de jeu sur deux styles de partie sur ce jeu. Donc là, vous voyez de la défense de points qui ensuite, si on se plante, va se transformer en escorte de convoi. Allez, leur heal est mort. Du moins, leur premier heal est mort. Il y a toujours une ange avec eux. Hop, j'ai touché la ange. On va prendre un petit peu de vie. Ah, derrière! Derrière, les gars! Allez, pour l'instant, on les tient bien. Dans une minute, s'ils prennent pas le point, on a gagné. Par contre, moi, il va falloir que je recule pour recharger mon bouclier. Voilà. Encore 60 secondes. Donc, ouais, deux modes de jeu. Comme je disais, désolé, c'est un petit peu tendu. Là, il se passe pas mal de trucs. Bon, là, j'ai complètement raté mon coup. Mais, donc, comme je disais, donc là, de la capture de points qui peut se transformer en escorte de convoi. Alors ça, c'est un soldat 76, un des personnages du jeu, qui est sous ultimate. Donc là, vous voyez, moi, mon ultimate qui est sur la touche A, en bas, au milieu de l'écran, qui est celui-ci. Bon, j'aurais tué leur soigneur. À choisir, je préfère largement leur tuer leur ange, puisque ange a un ultimate qui permet de ressusciter toute l'équipe à proximité. Donc clairement, voilà. Allez. Ah ben voilà, là vous voyez, elle l'a utilisé. Allez les gars, faut revenir là, faut revenir. Ah non. Non, ça va se jouer sur des prolongations. Voilà, le bouclier qui est extrêmement utile à distance. Ah bah voilà. Extrêmement utile à distance, mais dès que l'adversaire passe mon bouclier, bah, je suis complètement vulnérable. D'où l'intérêt de bouger beaucoup avec Reinhardt, de pas mal reculer au final. C'est pour ça que je trouve que personnellement c'est un des meilleurs défenseurs, un des meilleurs tanks. Après, ce n'est que mon avis personnel. Ah putain. Voilà, Genji, au revoir. Wow, wow, wow. Eh les mecs, là, faut les arrêter. Les gars. Oh, il y a un soldat. Soldat sous ulti, ça c'est pas cool pour nous. Là, vous voyez, là je suis dans la merde parce que j'ai des héros des deux côtés. C'est soit je me protège de l'avant, soit l'arrière, mais je peux pas faire les deux. Du coup, voilà, c'est. Là, c'était la merde. Là, je le dis clairement. Bon, du coup, on a super bien géré la phase de défense de points, mais là, l'avancée du convoi. Le convoi, là, c'est complètement la merde, hein, je le dis clairement. On galère. Un point inimaginable. Allez les gars là. Ah, j'ai plus de vie. Ah, je pouvais rien faire, j'avais plus de vie. Faut les arrêter là. Allez les gars, allez les gars. Ah, c'est bon, on les a tués sur le point. Apparemment. Allez, faut faire reculer ce qu'on voit. Faut le faire reculer ce qu'on voit. Ah bon, là ils ont un bouclier maintenant. Alors ça c'est pas cool. Ah
Ah, il m'a fait reculer. Allez les gars, faut protéger ce convoi. Ça doit passer. S'il y en a un qui passe, on sait jamais. Allez, faut le faire reculer. Tiens, le chacal. Ah, il y a un Genji et il est derrière nous. Malheureusement, il faut que quelqu'un s'occupe de faire reculer le convoi. Il y a une ange à gauche. Un Lucio aussi à gauche. Tu es dans ma ligne de mire. Hop là. On essaie de protéger les potes avec notre bouclier. Voilà, on les a protégés. Ah non. Non, pas Chopper, j'aime pas Chopper. Bon, on aura mis un petit coup à Ange, un deuxième coup. Allez, allez les gars. Allez, allez, allez. Ah, ça va pas encore se jouer aux prolongations. S'il vous plaît, quoi. J'ai plus de bouclier. J'ai plus de bouclier. J'ai 200 PV, c'est assez chaud. Allez, allez. Non, mets pas le buff de vitesse, là, Lucio. Là, il nous faut du soin. Allez, au pire, j'ai mon ultimate. Ça peut faire quelque chose. Allez, faut que je recharge mon bouclier. Faut que je recharge mon bouclier. Le Genji. Allez, là c'est de la partie compliquée là. Allez, on a 10 secondes à tenir. Allez. Oh oui. Oh, cette victoire. Et là quand même ça mérite un GG, well played. C'était chaud, c'était très chaud. Ce Gultar était-il avec nous? Il était dans notre équipe. Un kill. Son ultimate. Qui a fait le café. Bon, c'était une super partie. Pendant que moi j'ai bloqué 23 000 points de dégâts. Exactement, je suis épique. Les gens donc, en fin de partie, peuvent voter pour un qui a fait pas mal de choses dans la partie, notamment du coup ils ont voté, il y a 5 personnes qui ont voté pour moi, puisque j'ai quand même bloqué 23 645 points de dégâts, ce qui est pas dégueu, hein, ce qui est même plutôt bien. C'est en gros 23 000 points que mes alliés n'ont pas mangé. Dit comme ça, c'est quand même pas mal. Enfin, du coup, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup parlé de ce que j'avais à dire sur le jeu, mais... Mais je vais reprendre mon Reinhardt parce qu'en fait Reinhardt, ce que j'aime bien, c'est que il peut être autant utile en attaque qu'en défense. Et ça peut être énorme. Le bouclier nous sert toujours en fait, c'est ça qui est bien. En plus j'ai un skin complètement stylé, donc autant ne pas s'en priver tout simplement. Mais du coup voilà. Bon, première partie, c'était de la défense. On a réussi sur le fil. À voir si l'attaque va aussi bien se passer. Je l'espère. Et de toute façon, enfin, je pense que qu'on perde ou qu'on gagne, voilà, je m'en profite. Hein, je tag mon moi en pixels sur le mur et c'est complètement stylé. On n'oublie pas de dire. Hein. Appelez-moi l'empaleur. Appelez-moi l'empaleur. Bonjour. Et du coup, oui, donc voilà, je sais même plus ce que je disais avant la phase épique du combat précédent. Alors déjà, c'est un quoi? C'est un Genji en face ou un Hanzo? J'ai l'impression que c'est un Genji. Je ne vis que pour le combat.
Ouais, je crois que c'est un Genji là-bas. On le voit là, bon, là, on le voit plus. Ouais, c'est un Genji, ouais. Allez les mecs, on avance. Ah, il y a un Genji et un Hanzo en fait, d'accord. Histoire de pas faire de jaloux. Ah, je pensais qu'il allait s'avancer. Eh mais ils ont deux Genji ou quoi? Ah non, ils ont un Genji. Oh, je me suis fait éclater. Là, bah, là pour le coup, vous voyez, j'étais tout seul à protéger. Et j'avais absolument aucun allié avec moi. Je sais pas, je sais absolument pas où ils sont partis, mais voilà. C'est vrai qu'il faut profiter de mon bouclier pour avancer en fait. Hein, Hé hey, les gars! Allez! Aïe! Bon, évidemment, si mon bouclier pète, ça marche beaucoup moins bien. Bon, on a touché le chacal au loin. Écoutez, on va se mettre là le temps. Ah ben, il est mort. Voilà, la petite fatale qui s'est fait gérer et qui a même pas vu ce qu'il y arrivait dessus. Oh, le saleté de faucheur. Allez, on capture la zone. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Toi, couché. C'est bon, ils ont eu le Genji en haut. Mais à chaque fois... Non, c'était pas un Genji. Je sais pas ce qu'il y avait en haut. À part la Fatale. Fatale, donc, qui est une snipeuse. Alors ça, c'est pas cool. Bon, ça va, il a fait qu'un kill avec, ça va. Bon, la hanche là, voilà. On l'a géré. Allez, on fait avancer ce qu'on voit. Eh, hey, il y a quelqu'un là. Tuez-le. Mais tuez-le. Wouhou. Tuez-le, je dis. Je vais m'en occuper moi-même, hein, ça continue. Attendez. Ah, je me suis fait sniper. Damned. Oh, bien joué là. Ouais, bon, en même temps, il m'a fait 3 points de dégâts, donc voilà. Il me restait plus de vie en même temps. Bon, du coup, on reprend. Et du coup, comme je disais en début d'épisode, hein, il y aura de temps en temps donc des épisodes en multi, donc par exemple comme on a fait avec Silver, mais il y aura aussi... Bah des épisodes un petit peu plus en solo où bah on discutera, où on fera des parties, etc, etc. Il y en aura... Ce sera pas forcément ce qu'il y a le plus, hein, Voilà, voilà, par contre j'étais tout seul. Ils étaient où les autres? Ils étaient morts ou... Ouais, apparemment ils étaient morts les autres. Attention, ça va péter. Ok. Oh là là, il m'a défoncé. Il m'a tellement défoncé. Ah ouais, mais il m'a éclaté. Ah bah c'est pas lui qui m'a tué. Enfin, c'est pas lui qui m'a fait le plus de dégâts, d'accord. Je pensais que c'était lui qui m'a fait le plus mal, mais apparemment non. Attention le Genji. Allez, faut buter le Genji derrière là. Une traceur, ça c'est pour moi c'est le pire des personnages, surtout en Reinhardt, parce que bah, elle peut se téléporter, on va dire ça comme ça, et du coup, elle fait un gros dash en avant, et du coup, bah, ça lui permet de passer tranquillement derrière mon bouclier. Je l'ai pas eu.
Voilà. Ah, le chopper que je déteste. S'il pète mon bouclier en 2 secondes. La fatale qui s'est placée. Elle est là. Elle est droit devant, les mecs. Touché. Elle est mid-life. Bon. Waouh, waouh, mais oh. Je suis tout seul. Eh, mais à chaque fois, je suis tout seul. La Pharah et le Bastion, on sait pas où ils sont. Non, la Pharah, je suis mauvaise langue. La Pharah était juste derrière, elle a fait un ultimate. Saleté. Voilà, couché le Genji qui m'a même pas calculé en fait. Ah, la fatale s'est replacée. Non mais les mecs, faut la descendre. Nice. Voilà. Allez, go go go, faut qu'on avance. Faut qu'on avance, il y a un Genji juste au-dessus. Bon, j'ai pas d'ultimate. Bon, il y a un bastion évidemment. Il y a 2 bastions évidemment. Voilà, on a tué Ange. Allez, allez. Mais oui, les bastions, restez là-bas pendant que nous on fait avancer le point. Et c'est le GG. Alors, à qui revient l'action de la partie? Ah bah, à Genji. Avec un skin que je déteste. Donc ça, c'est l'ulti de Genji qui a apparemment fait le café. Ah ouais, il s'est fait toute la team, d'accord. Il s'est fait toute la team et moi derrière. J'ai passé 2 minutes, presque 40 sur l'objectif. Je ne manque jamais ma cible. Allez, si t'as un dernier point, je t'offre le mien. Allez. Eh ben non, tant pis pour vous. Du coup, quand même 3 médailles, 12 éliminations, 5 morts, 8 victimes sur objectif, 2 minutes presque 40 passées sur l'objectif, donc ça c'est quand même plutôt bien. On va quitter la partie. Puisque oui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça aurait été un petit épisode où à la base je voulais parler un petit peu, mais j'étais tellement pris dedans qu'on n'a pas tant discuté que ça. Du coup, on va profiter de quelques petites minutes de la fin pour déjà ouvrir un petit sac à butin. Un sac à butin qu'on trouve, qu'on récupère à chaque fois qu'on passe un niveau. Qu'on peut aussi acheter avec de l'argent réel, mais bon, on en gagne à chaque niveau, donc bon, je vois pas vraiment l'intérêt. Et du coup, on ouvre. Et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un skin pour Tolbjorn que j'ai déjà, donc on récupère 15 crédits. Une réplique pour Symmetra. Pourquoi te débattre? Pourquoi te débattre? C'est vrai. Un tag pour Zenyatta que je vais activer. Et une réplique pour Diva que j'ai déjà. Et sans cheat. Diva qui, dans le lore du jeu, est une ancienne pro-gameuse. Il est reconverti en membre d'Overwatch. Mais du coup, voilà. On va se quitter bien après ces 2 parties, mais on va parler un tout petit peu de ce qui va se passer dans la série Overwatch. Alors, bien évidemment, il y aura des vidéos en multi. Alors, j'essaierai de trouver différents joueurs, ou alors on continuera avec Silver et d'autres joueurs. Mais il y aura aussi une petite série en solo. Je n'en dis pas beaucoup plus, je vais pas me piquer l'idée, non je plaisante, mais parce que je suis en train de la travailler tout simplement. Et au niveau du rythme de parution des vidéos, ben, il n'y en aura pas forcément régulier. En fait c'est quand j'aurai envie de faire de l'Overwatch, ben, je vous sors une vidéo et puis voilà tout simplement. Ce sera on va dire des vidéos bonus en plus de ce qui peuvent apparaître dans la semaine. Donc voilà. Mais bien, je pense que j'ai tout dit. Je pense. Il me semble que j'ai dit... Du moins, je voulais surtout vous parler
d'une petite série qui arriverait dessus, et pour se retrouver un petit peu tout seul en compagnie de vous, tout simplement, en solo, comme ça, hein, ouais, comme ça, on est en tête à tête, on peut parler. Du coup, si vous avez bien évidemment aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Nous, on va se retrouver très bientôt pour la suite de cette non-aventure, puisque c'est pas une aventure, hein, c'est de la vidéo détente. Mais d'ici là, eh bien portez-vous bien, et que la funk soit avec vous les amis. Ciao ciao. Et c'est vrai que j'en avais pas forcément parlé durant la vidéo, mais en fait je viens de voir ça au moment où je coupe l'enregistrement de cet épisode, que, eh bien on est 3000 sur la chaîne, 3000 tout pile au moment où je vous parle, donc on est le 2 juin 2016 à 15h35, on est 3000, merci à vous, et du coup, eh bien, on va dire que cette vidéo solo où j'ai fait 2 wins sur le fil, eh bien, c'est pour fêter les 3000. Non, sachez que pour les 3000, j'essaye de préparer quelque chose, une petite série slash FAQ, quelque chose comme ça. J'en avais déjà parlé un petit peu, mais sachez que c'est, entre guillemets, sur le point d'aboutir. Donc voilà, ben, je vous le dis, et encore merci pour vous, pour être 3000 à m'avoir rejoint sur la chaîne. J'espère que je continuerai à proposer du contenu qui vous plaira, et j'espère que vous serez toujours plus nombreux. Nous, en tout cas, comme je disais, voilà, bref, c'est la classe, je vous remercie sincèrement. Et à quand les 4000